Coucou, bienvenue dans cette vidéo. C'est une séance aujourd'hui spéciale haut du corps. Donc on va avoir un travail d'épaule, de triceps, de pectoraux et également d'abdominaux. Pour cette séance, vous aurez besoin d'une chaise et de vous procurer des poids d'un minimum de 1 kg. Si jamais vous n'avez pas de poids ou d'haltère, vous pouvez très bien trouver dans vos placards des petits paquets de sucre ou de farine ou des paquets de pâtes. Le tout, c'est que ça fasse au minimum 1 kg. Je vous retrouve tout de suite dans cette vidéo. Bonne séance et à tout de suite. Allez, on démarre cette séance spéciale haut du corps par un des mouvements très très simples. Vous allez tendre les bras sur les côtés et on va faire de mini-cercles comme ça. Les mouvements partent des épaules, donc ça va aussi nous servir d'échauffement. L'échauffement des deltoïdes ici. Vous inspirez, vous pensez à bien respirer, vous tenir le plus droit possible. Allez, encore. On inspire, on souffle profondément, tranquillement, les bras très toniques, très serrés. Contrôlez le mouvement du début jusqu'à la fin, encore 5 secondes, 3, 2, 1, et vous inversez, vous changez de sens, donc la même chose dans l'autre sens, le mouvement part bien des épaules à nouveau. Super, allez encore. Allez, on va bien travailler la poitrine, les épaules, encore, on travaillera aussi le dos, les lombaires. Et on terminera par un travail avec les abdos. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parfait. Pliez un petit peu vos genoux, le buste un peu en avant, les bras derrière. Et là, vous allez faire des petits battements. On rapproche les mains et vous regardez plutôt par terre. Ça évite de tirer sur la nuque comme ça. On serre le ventre. Vous allongez le dos le plus possible. Et vous continuez à respirer. Allez, encore. Génial. Encore 10, 8, 7, 6, 5. Ça chauffe déjà. 2, 1. Génial. Vous redressez. Descendez bien les épaules. On termine ici. Des petits battements sur les côtés. C'est reparti. Bras bien toniques, bien tendus. Et on met un petit peu les bras en avant du corps. Comme ça, ça respecte l'axe de l'épaule. Allez, tendissez-vous. Encore 5 secondes. 3, 2, 1. Ok, génial, c'est parfait. Vous récupérez les poids. Donc, on les récupère dans les mains. Travail du deltoïde ici. Genou fléchi et vous soufflez en moins. Allez, c'est parti. On continue sur 30 secondes de travail sur chaque exercice. Soufflez en haut, vous inspirez en bas. Encore. Allez, il reste encore. 5, 4, 3, 2, 1. Génial. Sans prendre de pause, on enchaîne sur des pompes. Pompe genou, hein, c'est plus facile. Vous serrez le ventre et c'est parti. On inspire en bas, on souffle là. Donc là, on a plutôt un travail du dentelé, donc au niveau du dos, surtout des épaules. Surtout des pectoraux et un petit peu l'avant des épaules. Inspire, souffle. On amène la poitrine entre les mains et le coude lève vers le sol. Allez, encore. Souffle en haut. Pense à bien gainer le ventre. On fait ça encore 4 fois. Souffle. Souffle. Allez, en reste 2. Génial. Ok, vous reprenez le poids. Travail du deltoïde à nouveau, plutôt le faisceau latéral, vous inspirez et dans le souffle, on monte. Sur les côtés. Allez, essayez de vous grandir le plus possible, on a fait la moitié, il reste encore 15 secondes. Génial. Allez, plus que 5. 4, 3, 2, ok, c'est excellent. Vous récupérez la chaise là pour travailler les triceps. Après qu'on met les fesses dans le vide. Génial, on va, inspire en bas, souffle dans la montée. Donc vous essayez le plus possible de ralentir la descente des fesses. On contrôle le mouvement au maximum. Et on souffle en haut. Allez, encore. Allez, on reste 10 secondes d'exercice.
sur le ventre maintenant. Donc là, on a tout un travail de nos vers ici. Les mains sur le... Hop. T'appuies le pouce sur les mains, vous relâchez vos pieds et dans le souffle, on décolle. Inspire, souffle le monde. On va faire 12 répétitions ici. Allez, encore vite. On contrôle autant à l'aller qu'au retour. Allez, encore 3 fois. Prenez votre temps pour descendre. Génial. Une dernière fois, vous pouvez relâcher. On va reprendre cet enchaînement du début. Donc, je vous laisse reprendre les poids. Parfait. Pliez vos genoux. Et cette fois, on va faire des petits croisés devant. Donc, à nouveau, on travaille le deltoïde, le fessier en avant. Et vous essayez de respirer à nouveau. Bien profondément. Allez, encore. Un petit peu fléchir vos genoux aussi. D'ailleurs, il ne faut pas faire d'hyper-extension. C'est mieux pour le dos. Allez, encore 5 secondes. 3, 2, 1. Parfait. On passe sur les pointes. Et cette fois, on va rester en bas. On va compter 3 fois en bas et on va monter au quatrième temps. On y go? Allez. 1, 2, 3. Tu souffles, tu montes. Serre le vent. Souffle en haut. Encore. Bien évidemment, si vous sentez que vous êtes fatigué, vous allez un petit peu moins bas. Si cela vous informe, on n'hésite pas à bien approcher la poitrine vers le sol. Encore 5 secondes d'exercice. Allez, dernière fois. C'est parfait. On reprend les poids. Allez, travail d'abduction, on fait 3 petits là-haut. 1, 2, 3, et tu relâches. Encore. Vous essayez de monter avec vos coudes. Parfait. Allez, encore. Rendissez-vous le plus possible. On fait ça une dernière fois. 1, 2, 3. Voilà, vous pouvez enlever les poids. On prend la chaise pour les biceps. Et on va faire 3 petits rebonds en bas et on monte au quatrième temps. 1, 2, 3. Souffle. Excellent. Descends doucement. 3 petits rebonds. Explose à la montée. Allez, encore 2 fois comme ça. Génial, ça chauffe. La dernière. C'est parfait. On peut enlever la chaise. On est sur le ventre ensuite. Et on va rester là-haut et on va compter 30 secondes comme ça. Tac. Donc, vous mettez le front sur les mains. On relâche les cuisses. On soulève et on reste 30 secondes. Allez, respire, donc vous posez bien le front. On serre le ventre aussi. Donc là, on a un travail des lombaires. Encore 15. Allez, soulève bien les épaules. Allez, plus que 10. Respire. 7, 6, 5. Soulève bien les épaules. 2, 1. Et vous relâchez. Excellent. Donc on termine ce travail du buste par des abdos. Alors, vous allez passer sur le dos. On le tient sur le soleil. Très bien. Ici, vous allez décoller vos épaules, ramener les genoux à peu près dans l'axe de vos hanches, vous serrez fort les bras et vous allez faire des petits rebonds comme ça. Donc, on serre fort le ventre, vous gardez entre les cuisses les bras hyper toniques. Allez, c'est parti. Il nous reste 20 secondes. Allez, soulevez bien les épaules, très important. Encore. Allez, encore 10 secondes. Ok, c'est parfait. Vous allez pouvoir rester là et vous allez monter sur deux temps. Souffle, inspire. Donc, vous essayez de ne pas
bougez vos cuisses. Quand vous décollez les épaules, vous regardez entre les genoux. Et vous serrez fort le ventre en arrivant là-haut. Allez, encore. Allez, 10 secondes. Ok, génial. On garde un pied là-haut, on pose un pied par terre. Et là, on fait des toutes petites montées. Très, très court, très petit. Donc, soit on prend le genou là, soit vous l'avez un petit peu fléchi. Il n'y a pas d'importance. Et on est bien localisé sur les épaules. Allez, encore. Souffle. Encore 5, 4, 3, 2, 1. Tout de suite, sans transition, on change. Allez, on continue. Et on respire. Allez, décolle bien avec les épaules, sans tirer avec la nuque. Super. Encore. Allez, encore. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, génial, super. Vous allez ramener ici, un genou très très bas. On souffle, on inspire. Allez, vous essayez de bien descendre le talon. Décolle les épaules dans la montée. Souffle en haut. Allez, encore. Allez, 10 secondes. On prend pas de pause, on fait tout de suite de l'autre côté. Allez, souffle, inspire, souffle. Allez, on lâche rien, on essaie d'aller jusqu'au bout. Allez, on gagne bien les épaules, serre fort le ventre quand on arrive là-haut. Allez, plus que 15. Allez, encore 8, 7, 6. 5, 4, c'est la fin. 3, 2, 1. Et vous pouvez relâcher. Prenez un peu les genoux. Génial. Vous roulez sur le dos. C'est parfait. On a terminé cette séance spéciale haut du corps. Je vous souhaite une bonne journée et j'espère vous retrouver dans une prochaine séance. À bientôt.